recevez un homme de Dieu. Vous recevez une équipe d'évangélisation. C'est Jésus qui l'avait reçu. Et Jésus va plus loin pour dire, si on ne reçoit pas, si il n'a pas aussi reçu son témoignage. Et celui qui donne un barbeau à mon serviteur ne perdra pas sa récompense. Donc, quand vous accueillez une équipe d'évangélisation, vous avez la grâce de Dieu sur vous. Je tenais à vous dire merci pour l'accueil. Nous sommes important de commencer par là. Nous sommes là pour vous soutenir en prière. L'événement de ce soir va rentrer dans votre histoire. Ça, c'est quoi ça? Fétiche, ça marche pas avec Dieu. T'as compris? Tu peux pas inviter un homme de Dieu chez toi. Et puis il va avoir fétiche. On a compris? On dit qu'il était dans les choses pour la paix et dans les choses de ses enfants. Il est pas là, moi je ne mélange pas mon travail, petit. Il est là, il est là, il est là. Ceux qui sont venus faire ça, ils vont détruire. C'est que sorcellerie, la vie de vos enfants me met dedans. J'aime ta sincérité. Il faut renoncer pour dire toi en tant que chef de famille, tu ne te reconnais plus dedans. Faut pas avoir peur, il n'y a rien dedans. C'est connerie, il n'y a rien dedans. Ma vie, il y a le poivron. Il faut dire, à partir de Dieu, je renonce, j'accepte Jésus. Non, il n'a que lui-même dit qu'il renonce en tant que chef de famille, il renonce à cette pratique parce qu'il décide d'accepter Jésus. Il dit quoi?
il a changé Jésus-Christ. Voilà, on acclame le Seigneur. J'arrive dans le petit Jésus. C'est de la sorcellerie. C'est le diable. Tu sais, nous détruisons tes œuvres. Au nom de Jésus. L'hôtel satanique. Oh,